épée nationale. Non, en fait, il te marque les top donateurs en très gros et ceux qu'on fait les tips. Vas-y, t'inquiète pas, ça va passer. Un gros GG à Nirox, on lui fait des GG, on lui fait des cœurs. Allez dans le chat, on se défoule, allez-y. Ouais, faites les gros GG, les gens. Faites des gros G. On est 265, je veux voir 265 cœurs. Allez. Allez, faites des cœurs, faites péter les cœurs. Des cœurs. Hop, des cœurs. Et notamment, un truc qu'on a un petit peu mis en place, on a fait des idées aussi. Tous les gros tipseurs, également des petits, hein. On mettra une certaine limite au niveau des tips. Auront leur, on va dire leur totem. En fait, on n'a pas encore eu le temps d'explorer l'idée. Oui. On n'a pas encore eu le temps d'explorer l'idée, mais ils auront un bâtiment dédié à eux, un bâtiment grec. Vous verrez où est-ce qu'il sera placé. Une salle pour remercier, bien sûr, tous les gens qui nous ont fait des tips. Et je pense que à chaque début de live, on se décorera dans la salle et on se recorera dans la salle. Et vous verrez à chaque début de live vos noms, vous. On entend l'écho. C'est normal, c'est normal. Et ce sera une manière pour nous de vous remercier. Eh bah dis donc, ça m'a... Je suis perturbé. En tout cas, grand merci. Voilà, donc grand merci à Nirox13. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de faire de l'énergie. Ouais, on fait de l'énergie et en même temps, moi, je fais des gros tanks pour récupérer du sludge. Parce que j'en ai besoin. Bah, besoin. Pas dans l'immédiat, mais on en aura besoin. Voilà, du coup, moi, il va me falloir... Il va falloir que je fasse la récolte en fait de bouffe. Ou je te laisse décider ce qu'il nous faut en niveau quant non autre que quant le. Ok. Ouais. Pas de soucis. Je te laisse faire ça. Moi je vais voir. Je vais faire un peu les. Agricraft, allez c'est parti, on va faire Agricraft de mon côté. Pendant que monsieur Epifort est en train de faire le petit tank. Les tanks. Ouais. En tout cas, vraiment grand merci monsieur Nirox13 pour ton gros tips. Ça marche bien, hein. C'est cool. Il en aura fallu du temps pour que je fasse un overlay potable. Ah merde. Ah mais là, avec l'encouragement, je pense qu'il va en faire tous les jours, je vous le dis tout de suite. Ah. Oui. Prends-te. Il me faut ça. Ah, good, il n'y a pas de stick. Par contre, c'est vraiment pas possible hein, que ça lag comme ça, là, franchement. C'est chiant, mais c'est chiant surtout. Oups, la Paxel est un petit peu rapide. Ouais, franchement, c'est vraiment chiant d'attendre. On dirait que le TPS il a 2 secondes. Quoi. Oh. Oh, c'est sympa, toi, je commence à se cool. C'est quoi? Le sludge. On fait, on dirait une valve, de une chute d'eau en fait. Tu vois ? Voilà, hop. Attends. Ah, ça c'est un peu dur là. Ah merde ! Comment on sort ? Alors, on se retrouve un petit peu coincé. Oups, pardon. À l'aide. Attends. Bon d'accord. Bon. Ah.
Ah, merci le lag. Comme c'est gentil. Ah, ben le petit bloc qui se drop maintenant, c'est 2 ans plus tard. Alors, le top de donateur, je ne sais pas s'il a bugué ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a Team Axouche qui vient de refaire un tips également. J'espère que de moi j'aurai. J'espère de moi aussi j'aurai mon totem dans la salle. Je veux maman avec moi. PS, t'as tout. T'as pas tout lu le message de mon tips de 15€. Si, je l'ai lu. Ah non, non, effectivement, il s'est pas fiché ce con. Donc, véritable ami, je suis ravi de te connaître. Toi et Ethan, Lily et tous les autres. Je suis heureux de pouvoir enfin faire les tips que tu mérites et en espérant pouvoir t'aider pour ta cheville. Merci mon grand. Effectivement, je n'avais pas tout lu parce que j'avais oublié de cliquer dessus. Forcément, ça aide pas. Mais bah merci à toi Maxouche et pour les tips que tu me fais ce soir. Et je regarderai du coup le top machin parce que j'ai l'impression qu'en fait il bug. Non, non, en fait c'est qu'il cumule tous les dons. Il cumule tous les dons? Ouais, ouais. Ça, c'est normal. Tu me montres pour le search? Bah justement, il faut attendre qu'il coule. Ah ouais, t'as tout mis dedans. Bah en fait, il s'est vidé direct. Ah oui, d'accord, je vais le voir. Il y a une grosse chute de caca. Voilà, vas-y, on va reboucher ça. C'est un peu sur les barrières, on a l'impression qu'il est à côté quoi. En fait c'est ça, c'est sur le truc. Mais moi j'aime bien les barrières, ça donne un style au lieu de le laisser sans rien. Ah oui, j'aime par-dessus tout mais... J'aime. Oh yeah. Ouais, par contre les items c'est assez chiant. Est-ce que tu pourrais... Non, ça serait chiant à faire. Je t'aurais bien demandé de me faire des petits blocs pour un style de chemin en fait. De chemin. Ah oui, un genre de pavé ou ce genre de choses. Ouais. Y a une question qui me dit, épée combien d'euros te ferait plaisir? Ah bah si tu veux vider ton compte en banque, tu peux. Hein. je suis preneur. On va pas dire non, attendez. On peut pas dire non, quand même. Mais ouais. De toute façon, même un tips d'un euro me fait toujours aussi plaisir, donc peu importe la somme après. Oui, il y a de l'eau partout. Oui. Ah merde. Est-ce que tu pourrais même faire une upgrade Une bonne grosse upgrade. Une bonne grosse? Tu veux celle directement en émeraude? C'est la plus grosse, je crois. Mais par contre, elle risque de... Ah non, ouais, un upgrade comme ça. Il est méchant As2. Si live As2, faites-lui des... Pas cœur. Voilà. Pas des cœurs. Pas des cœurs. C'est pas cœur, du coup. Du genre As2 du but, ce genre de choses. Il est gentil As2, mais... Mais c'est tout. À quand une banque? Dis ça à... Comment? Dis ça à Pierre, à Aznet, il va te dire on n'est pas capitaliste. Donc il n'y aura pas de banque. De toute façon, une banque, honnêtement, ça sert... À rien. À rien, sachant que tout le monde touche à tout. Oh. Donc, Merci Nirox pour également ton... Encore un tip de 50€. Ouais, dis donc. En fait, c'était ça le déclenchement, l'élément déclencheur. C'était un bon programme de tips. Voilà, on va réduire un peu ce lac qui est assez grand. On est d'accord, Nock. Ah oui, vas-y, Maxouche, hein, tu peux lui dire en tip s'il faut, hein, vas-y. Hein. Bon, après, il faut pas savoir, faut pas dire que ça vient de moi. Hein. Faudrait de la terre, monsieur Epeforce. Reprenez-vous. Et Yogetcraft,
De la terre, ouais, de la dirt. Est-ce qu'on a de la dirt, tiens? On en a 11, ça tirait. Ouais, je m'en doutais. Merci la Paxel, ça ira super bien. Ah oui, c'est Nirox qui a refait un don de 50 euros, et bien dis donc. Voilà, maintenant on attend juste que la terre pop. Donc nous avons Nirox en top donateur à 166 euros. Merci à lui. Pour ceux qui veulent le détrôner, allez-y, hein, sortez la carte. Voilà un homme qui sait gagner. Quoi faire de son argent? Un homme, peut-être est-ce une femme, on ne sait pas. Bon, après, à voir, mais plus le type c'est très gros, plus on fait le totem gros. On verra ça. Ouais, mais tu vois le bâtiment là, oui, non. Après, il va devenir l'Olympe, le machin. Il va être... Bah, si c'est toi qui le fais, le bâtiment, ça me va. Alors, c'est moi qui fais le bâtiment, mais c'est toi qui fais la maison. Ah non, tu fais tout. Ah, bon. Voilà, donc le totem sera à une bonne hauteur, vous inquiétez pas. Ouais. Le totem, ça sera très certainement peut-être une vous en miniature, hein, on sait jamais. Et ceci dit, je pourrais le faire en 3D vu qu'il y a Open Computer. Voilà, vous, votre petite, oui, tout à fait. Votre petite statue, statuette, votre petit skin, je vais jamais y arriver. Tiens, je t'ai deux stacks de dirt. Ah bah c'est parfait, tiens, tu peux filer ce lac s'il te plaît? J'ai pas les commandes. J'ai pas les commandes. À la main. Ah! Oh bah non, c'est moins drôle. Je trouve une occupation, parce que là je vois que tu planes. Non. Voilà. Tu veux l'autre lac aussi, une partie? Quoi? Non, non. Voilà. Remplace le sable ouais par la terre. Et enfin remplace tout par la terre. Le lac, ça va être la réserve d'eau, donc. Et pas de minerai. Oust. Ah, par contre, les minerais qui se lootent en vitesse lenteur, c'est chiant. Non, mais tout se loot en vitesse lenteur. Je sais pas si c'est Az qui a fait ça volontairement, mais c'est pas possible. Tu vois les minerais, on dirait qu'ils ont des puces, ils bougent comme. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est chiant. Moi, je préfère limite avoir un TPS de 6. Au moins, tu sais pourquoi ça lag. Voilà, c'est beaucoup de personnes. Et là, on est peu et. Ah! Eh bah, bienvenue à toi, ceux qui rejoignent la chaîne. Je ferai également un petit système d'abonnés parce qu'il marche pas très bien lui pour savoir combien on est en abonnés sur la chaîne en live. Non, Noc, le serveur il a 20 TPS constamment. C'est As qui a fait une modification et bah ça chie un peu dans l'alcool. Je pourrais juste faire ça comme ça. Par contre, si tu fais de la noyade, ton Shin ne prend pas le relais. C'est ton. Non, le tank, ça ne sert à rien de mettre de l'eau sur le tank d'Agricraft parce que la config n'est pas chargée. Donc du coup ça ne fera rien du tout.
serveur de vue, il faut un déambulateur. C'est à peu près ça. Voilà. Un petit truc tout mignon. Toc toc. Non, le sable, magnifique. Je vais peut-être le garder, le sable. Magnifique, ma chérie. Ah oui, magnifique. L'upgrade, du coup, c'était ce que je voulais te faire, en fait. Ouais. Oui. Ah, ça me gratouille. Alors Torum, je mets live, là on est en train de faire de l'énergie bio pour nous alimenter. À quand le réacteur à fusion de Mecha? Plus tard. Pour l'instant on va se faire un petit truc. Tu vas avoir un cadeau de Das 2, mais chute. Ok. Je crains un peu le pire. du coup, ton upgrade. Alors, l'upgrade en émeraude, hein, tu m'as dit. C'est bien ça? Oui. Toc. Bah, en fait, la. Bah, la plus grosse, en fait, ouais, c'est l'émeraude. Ouais, la plus grosse. C'est celle en émeraude, de toute façon. Ouais. Je pensais qu'il y avait une 13, mais. Je ne sais pas combien je gagne une PCF card quand vous faites des tips là-dessus, parce que je ne sais absolument pas. Tenez monsieur, votre upgrade. Merci. Est-ce que tu aurais après 3 ans que tu pourras le récupérer. Est-ce que tu pourrais faire le hammer, tu vois, pour voir la taille de l'upgrade, s'il te plaît. Merci S2. Elle voulait. Ah, c'est nul as de pique, c'est mieux. Ouais, on va dire ça comme ça. Des petits cœurs, mon petit as de. J'en peux plus. Gatecraft, est-ce qu'on découvre de nouvelles choses cette saison? Oui, on va explorer plusieurs modes. Oui, on va explorer plusieurs modes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Rotarycraft ou même parmi d'autres. Et effectivement, oui, il y a des modes intéressants sur cette nouvelle saison. Ouais, il y a des bons modes. Ouais. Ah oui, pour le réacteur de mecha, il faudrait une zone de 40 par 40. Oui, bon, on la fera plus tard. Ouais, bien sûr. Mais oui, il faut aussi prévoir l'explosion. Non, il explose pas d'ailleurs. Le réacteur de mecha, c'est lequel? C'est un nouveau. Pour aller chez S2, il y a encore son portail S2 ou pas? Je sais pas. Tu pourrais allumer ce portail, s'il te plaît? Oui. Je vais montrer un truc à Yudo. Bon voyage! Merci! C'est le bâton pour faire pousser le truc. Ah ouais. Moi, de toute façon, j'aime bien mon bâton. Le fameux bâton. Merci à toi pour ton tips également, monsieur Kaku.
35, 5, 6, 0. Ça c'est du pseudo, hein. Kaku 35, 5, 6, 0. Ouais, j'aime bien le pseudo. Alors, je sais pas si t'as laissé un... Faudrait que je regarde pour lire les messages, en fait. Non, t'as pas laissé de message. J'ai pensé à Eli Kaku. Eli Kaku ? Ah, Eli Kaku. Bon, il est un peu mort depuis le temps. Humoriste. Non, tu vois. Waouh, que c'est grand. Waouh, ouais, c'est grand. Si il explose, mais dans un sens où l'attendait. Ah oui, d'accord, c'est juste des explosions. En fait, les explosions, c'est quand ils génèrent de l'énergie. Et il génère jusqu'à 35 triards de RF. Oui, donc en une seule explosion, en fait, t'as largement ce qu'il faut pour alimenter tout un serveur. Ok. Stargate, il est devenu quoi ? Très compliqué. Et Tan peut en affirmer que c'est très complexe. Stargate, oui. Je l'affirme, oui. Je voulais faire un truc, mais je ne sais plus. Bah, bisous, ma petite Lily. Bon app. Bon appétit, Lily. Pense à nous quand tu mangeras les crêpes. Ah oui, c'est Poséidon avec le trident. Ah oui. Oui, c'est pas faux. Oui, on veut des crêpes. Je sais pas de... Non. Est-ce qu'il faudrait te faire quelque chose pour la ferme à truc là-bas? Non, c'est juste à moi de faire ça. Peut-être non. Ça. Bah, après, tu peux faire plus de bioréacteurs et autres. Hein. Ouais. Bioréacteur. Ah oui, non, mais il faut des mushrooms et des spiders. Puis vu qu'on a la magnum torche, du coup on a même plus un seul mob. Ah bah GG. Elle est toute contente du coup. Yonako. Ah bah je pense, on va voir ça. Point me le rend de quoi, monsieur du poulet 78, parce que ton pseudo est trop gros. Il est toujours gentil, Flaming. Salope. Violente la dave, ouais, tellement. Tu. Tiens, il y a qu'un seul squelette là-bas. Pa 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 la pa pa pa. Non, bah franchement, je ne sais pas. Il n'y a pas d'araignée. Pas d'araignée. Moi, j'ai pas d'araignée en vue ici. Gagne gros, mais j'ai pas compris en fait, mais c'est pas grave. Tu. J'ai pas visité le seul coin ici, donc du coup je découvre en même temps. Ah, c'est la lave. Je voyais une lueur, donc je me suis dit, est-ce que c'est une grille ou pas, mais non. Ta. Attends, il y a des petites araignées, on veut quand même aller les choper. Allez, brûlez. Même les mobs, en fait, lag. En fait, tout type d'entité, quoi. La merde. Araignée en vue.
La défense. On est quoi dans quel type de biome? Ah oui, biome plenty. Ah ouais, je suis là où il y a, enfin, il y a le portail pour As2. Oh là là, bordel, hein. Chaud. Puzzle. Dégage, toi aussi dégage. Non, le biofuel de factory, pas de immersive. Ouais. Immersive, ça fait trop industrie. Ouais, nous on voit un... nous on est un peu plus puriste. Lol. Ah, une araignée en face. Oh, une node à côté. Ah bah, forcément. Quoi? Forcément, je tombe dans quoi? Dans la Soul Sand. Un sous-scène dans le sable. Oui, sable mouvant. Merci à toi pour ton tips également, Mister Mirox. Pour 34 euros de plus, t'es à 201 et 44, je crois. Attends, je me débrouille avec les araignées là, parce que j'en ai buté une quelque part. Ah, elle est là. C'est bien, au moins tu peux éviter le blaze qui te balance des petites bouboules. Attends, je vais juste lire ton message du coup. Allez, juste pour arrondir. Ah bah tu arrondis pas. À moins qu'il s'affiche pas le truc, mais Hey, salut le zombie. Wouhou. Bonsoir ceux qui arrivent. Ah, une araignée. Mais non, je veux ton œil. Je m'en fous du string. J'ai encore le son de l'araignée une fois morte. Magnifique. Non, ça lag pas du tout. C'est pas vrai. Ah, oh, putain. Non, ça arrondit pas du tout. On a 201,40, 44. Ouais, faudrait que j'augmente le petit truc. C'est bien parce que je peux le faire en live du coup. Pour lui augmenter le. Ouais. Erial, mon Dieu. Voilà. Bien sûr, je le vois une fois qu'il est parti, mais bonjour Erial, c'est encore là. Enfin, coucou Erial, ça fait un bout de temps. Ça fait... ouais, ça fait grave un bout de temps. Voilà, 244. Pensais que tu étais mort depuis le temps. C'est gentil pour sa part. Non, Oh, un truc de Stargate, à nouveau. mais... J'ai pas dit j'aimerais que tu sois mort, j'ai dit je pensais. Putain, c'est. Ah, ça m'énerve ce quicksand. Et l'araignée? Car ici, elle me touchait alors que j'étais à côté d'elle, mais c'est pas grave. Apprends à viser. Ah, je crois que c'est déjà pillé. Je confirme que c'est déjà pillé. Moi, je reviens, on va avoir des personnages shield. Ah, mais c'est chez quelqu'un. Aïe. Bye. C'est de mécanisme. Je crois que c'est pour faire du. Oh putain, la vache. C'est vrai que les flux de conduite. Combien ça produit? Bah là c'est à 3 à 632 kilos. Mais à mon avis c'est pour faire, oui c'est pour faire du brine. Ah oui d'accord, non c'est pour faire du lithium. Ah mais c'est donc c'est machin là, c'est la pierre. Ah. Oh là là les mecs, sérieusement. Y a pas une pancarte dans le coin pour que je lui dise un petit zizi. J'ai envie juste de les faire chier. Ah, les mecs ils ont, enfin, hein, ils ont une putain de ferme à lithium quoi. Voilà, genre, j'ai juste envie de les faire chier à mettre du sable partout. Voilà. Tuc. Tac, tac, et tac. Voilà.
Voilà, vous avez compris donc la phrase de l'épée se résume à tuc, tac, tac, tac.